pourrais même pas vous dire à quoi est-ce qu'on arrive avec un 200 $. Ça ne répond absolument pas aux besoins des personnes de Manicouagan. Merci, Madame la Présidente. Questions et observations. Le député de Kitchener-Centre. Je veux tout d'abord souligner le soutien de leur bloc pour la prestation pour les personnes handicapées à toutes les étapes, même si c'était un projet de loi qui est presque vide, mais ils ont utilisé leur pouvoir ici pour améliorer, principalement par la députée de 13 de Blainville. Ma question pour la députée de Manicouagan et le Bloc maintenant est que le Bloc a présenté deux demandes à sept gouvernements dans un parlement minoritaire pour leur soutien pour éviter une élection, mais aucune de les deux demandes était de réparer et mise en place la prestation pour les personnes handicapées. Pourquoi et est-ce que ça peut changer? L'honorable député de Manicouagan, 25 secondes. Merci, Madame la Présidente. Et je remercie mon collègue pour sa question. En fait, les deux demandes que le Bloc québécois a fait ses priorités, soit les deux projets de loi qui sont en cours présentement, sont justement des projets de loi qui devraient arriver à terme très bientôt. Alors, on souhaite augmenter la vitesse à laquelle ils pourraient être adoptés parce que, bien sûr, ce gouvernement risque de tomber à n'importe quel moment. Et bien sûr, on a aussi d'autres priorités, mais on ne peut pas toutes les mettre rapidement comme ça. The honourable member for... La députée de